c'est vraiment le truc cool de Hitman, c'est les habits quoi. Changer d'habit comme ça à l'infini. Passer à côté des gardes et tout qui reconnaissent pas. Je sais pas si vous avez vu le film. Le film il déchire vraiment. Parce qu'en fait le film est fait à partir du jeu. C'est vraiment... J'ai pas compris faire ça. C'est un film qui est fait à partir d'un jeu vidéo. Le jeu vidéo a été fait avant le film quoi. Et le film vraiment il déchire. Il est pas mal vieux quand même. Mais il déchire vraiment. Donc ici vous mettez en mode accroupie pour bloquer la porte. Ou même vous avancez derrière lui tout de suite. Voilà. Dès qu'il est un peu loin, vous marchez. Voilà. Donc ici, commencez pas à essayer de croiser les gardes. Parce que c'est chaud. Les couloirs sont un peu étroits. Remarquez. Ils n'ont pas l'air si étroits que ça. Je vais essayer de la faire comme ça. Rapide. Quand j'en ai ras le cul. J'en ai marre. Vous savez pas le nombre de fois que j'ai recommencé. On fera la vidéo. Hop. Chance. Oh merde. Bon en fait ça va, ils sont assez étroits. Enfin vous êtes dans le rouge, quand vous stressez à mort, vous avez des gouttes de sueur. Mais vous pouvez passer. Enfin, seulement si vous avez un habit, hein, bien sûr. Commencez pas à passer en déguisé Hitman. Donc ici, faut faire la parfaite diagonale. Il y a un gars là. Et deux gars là. Et si vous êtes, si vous passez trop près de l'un ou de l'autre, vous vous êtes clapé. Ne prenez pas cette petite porte là parce que vous devez être un grade supérieur. Alors vous avez que l'habit d'un petit soldat quoi. Et pour passer la porte que je viens de vous indiquer, il faut un grade supérieur. En fait, la porte où vous ne pouvez pas passer, c'est celle-là. Elle vous mène au générateur de caméra. Parce qu'il y a des caméras, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a un endroit où il y a une caméra qui fait chier. En fait, vous n'êtes pas obligé de tirer sur le générateur, vous pouvez tirer directement dans la caméra. Vous économisez des balles et puis au moins vous êtes sûr quoi. Ici, donc, en fait, la porte où vous pouviez pas passer, il était écrit exactement ça, je pense. C'est deux étoiles. Et donc, faut que vous vous déguisiez en gars de deux étoiles. Ah, c'est aussi pour ça. Par exemple, il y a une caméra ici, alors, et il y a une porte à crocheter. Si vous aviez pas buté le générateur, ben vous vous y écartez, quoi. Donc là, vous changez de vêtements. Bim, vous changez de bras, vous êtes maintenant un capitaine, avant classe, hein. Alors où est-ce qu'il est ce gland de garde? Je vais me la faire comme ça. On va tenter le coup. Voilà. C'est ça mon beau. Vas-y, continue. Je vais même essayer de te la faire péter la gueule la bombe. Ça te va? C'est drôle, on va voir si c'est possible. On va voir si c'est possible. Je pense qu'il est mort. Bon, on verra bien. Donc vous repartez par là. S'il est mort, ça m'arrange bien parce que... Il est mort. Parce que j'ai une petite ronde chiante. Enfin, c'est pas non plus morbide, hein. Pas un morbide. Pas non plus la mort. C'est une petite ronde un peu embêtante. Donc l'endroit où j'ai posé la bombe, c'était un mur fragile. En fait, on doit s'enfuir par les égouts. Je sais pas pourquoi. On doit s'enfuir par les égouts, mais... Tu vois qu'il faut sortir par les égouts. Donc il faut faire péter un mur quoi. Bon maintenant c'est facile. Sauvegarder ici. Oh je sais pas, faites comme vous voulez.
jetez un pageur, prenez le téléphone, faites bien gaffe de vous planquer. Vous déclenchez le pageur. Voilà, le général ouvre la porte. Et quand il la referme, oublie de la reverrouiller. Parce qu'avant elle était verrouillée, c'est ça le principe en fait. Hein. C'est de déverrouiller la porte. Sans devoir la clé, pratique. Vous regardez par la fenêtre et au moment où le général vous tourne le dos, voilà, il fait un interrogateur. Au moment où il tourne le dos, vous foncez dessus et vous l'égorgez. Ne faites pas la corde de piano, à la corde de piano, ça marche pas. Voilà, il tourne le dos, on fonce dessus. Oh putain, j'ai eu de la chance, j'étais un peu court. Vous passez devant pour déclencher la cinématique. 47. Bon, cinématique de merde, hein, ça sert à rien. Ça explique juste qu'il change l'habit, quoi. Il prend l'habit du général. Le truc réaliste, c'est que le général a encore son habit. Voilà. On appelle l'ascenseur. On fait le premier sous-sol. Ça fait du cul encore un peu, je te laisse. Vous inquiétez pas de cette cinématique là, ça simule une alerte, mais en fait y a aucune alerte. Attendez un peu dans l'ascenseur que les égouts se vident. Ouais, il y a tout ce monde là dans les égouts. Le mur que vous avez fait péter, il est à peu près là. Et en fait, tous les gardes se sont demandé quoi. C'est pour ça que si vous faisiez péter le mur maintenant, enfin si vous faisiez péter le mur juste en partant, vous auriez eu du mal à trouver la sortie sans vous faire tirer dessus parce qu'il y a tous les gardes qui vous couraient derrière. Donc on attend que ça se vide, hein, permettez. Qu'est-ce qu'il fout à terre? Bon, non, à terre. En plus c'est bloqué. Voilà. Ça va se vider tranquillement. Hein. En fait, je suis en train de me dire... Ouais, c'est ça. Quand j'ai fait péter le truc, le mec, il était pas encore... Il était pas mort. Il est vivant, il est là. Oh, chiot, tu aurais bien aimé qu'il soit mort. Bon, j'aime pas du tout cette mission. Parce que... Elle est chiante, je trouve. Je trouve vraiment que c'est la plus dure. Bientôt fini. Voilà, bon, on va y aller maintenant. Hein. De toute façon, c'est bon normalement. On va y aller maintenant. On ouvre le portail. Voilà. Ne vous inquiétez pas de lui, il y a sûrement un petit peu de noir qui va apparaître. Voilà, mais c'est pas grand chose. Inquiétez-vous plutôt de lui. Voilà, attendez qui. Suivez-le en marchant tranquillement, ne le suivez pas de trop près parce que comme tous les autres gardes, si vous le suivez de trop près il se retourne, et si vous restez trop longtemps près d'un garde qui est un peu en alerte, bah vous faites capter. Putain le con, je viens juste de dire ça et qu'est-ce que je fous, je cours. T'as une gueule de con toi. Ah ouais. Ce mec là on va le retrouver dans une autre mission un peu plus tard. Vous verrez, c'est drôle. En fait c'est votre... C'est un peu votre... correspondant, on dirait. Il vous fait peur en tirant avec un deagle des balles à blanc. Il vous ouvre la porte et il tire des balles à blanc. En l'air. Et en fait moi j'ai trop flippé, j'avais un SP-12 dans la main, donc un fusil à pompe sans pompe à 9 balles. Et je tirais dès qu'il a tiré ses balles, j'ai trop flippé, il a pris 3 coups de fusil de S. Il a pris 3 coups de SP-12 dans la gueule. Et il n'est pas survécu. Et comme c'était un personnage important, bah, j'ai raté ma mission. Ah donc voilà, c'est fini. Hein. C'est fini, je pense que c'est là. C'est drôle, je vous laisse la cinématique de fin. Non, c'est pas là. Ah si, c'est là. Il se prend un de ses vents en épinglant pas Hitman, hein, mais l'autre. Il se prend un gros vent. Regardez ça, attention. Salut.
Cherche pas la mort, étranger. Voilà. Donc, c'est la fin de cette mission que j'ai faite en deux fois. Donc, assassin invisible. Hein. Sachez que si vous faites des missions professionnelles, mais que vous en avez fait beaucoup en assassin invisible, le global, c'est le plus important. Hein. Ce sera toujours assassin invisible. Voilà, 44 minutes 46. Je ne l'ai pas dans le cul, je pense que je vais la faire en plus que deux fois. Voilà. Salut.